Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu comment gagner des points sur la console Xbox et aussi sur PC, on peut le faire. Donc, tiens à vous le dire, c'est simple, c'est pas compliqué. Et voilà quoi, en gros, c'est gagner des points pour pouvoir se changer de carte, de tout type de genre de carte. Vous avez du Zalando, vous avez du Cultura, vous avez bien sûr du Game Pass si vous voulez, du Game Pass Ultimate, etc. etc. Donc je vais vous présenter tout ça. Donc nous voici sur Microsoft Reward. Voilà l'application que vous retrouvez. D'ailleurs, je vais vous montrer exactement où vous trouvez ça dans vos applications, mes jeux et applications. Vous allez dans Applications, vous cherchez Microsoft Reward et là vous retrouvez Microsoft Reward. Ensuite, vous avez les activités de Microsoft Reward. Voilà. Là, vous avez ce que vous devez faire pour gagner des points. Voilà. Sachant que vous pouvez faire. Bon, ben voilà, moi, je suis à 38. Il m'en faut 50 pour gagner autant de points. Pour en gagner 50. Donc, plus 40, c'est jouer un jeu n'importe lequel, que ce soit du Game Pass, que ce soit n'importe quel type de jeu que vous voulez jouer, sachant que le Game Pass est payant. Mais le Game Pass, vous avez le Game Pass simple ou le Game Pass Ultimate. Le Game Pass Ultimate, y compris le Gold de l'intérieur, bien sûr, et le Cloud Gaming. Donc je vous reparlerai. Donc voilà, vous avez les quêtes. Vous avez les quêtes Xbox quand il y en a. Bon, ben là, il n'y en a pas. Quand il y a des quêtes, il y a des quêtes ici. Vous devez les faire. Ça, c'est le nombre de points. Et vous avez gagné plus de points. Voilà. Donc en fonction de ce que vous faites, vous gagnez autant de points que vous voulez. La carte de fidélité, le Roblox, Call of Duty, si vous jouez Call of Duty, Minecraft. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est console. Ensuite, vous avez les recherches mobiles. Mobile, c'est-à-dire vous installez votre navigateur, mais non pas Google, mais Bing. Vous installez Bing et vous recherchez n'importe quoi, tout ce que vous voulez, pour 60 points. Ça vous fait 60 points qui se rajoutent. Vous recherchez pareil sur PC, vous naviguez, vous avez 90 points. 90 points de PC. 90 donc sur PC, 60 sur mobile. Et si vous avez Microsoft Edge, vous avez jusqu'à 12 points. Ça s'ajoute au quiz, parce qu'il y a aussi un quiz, plus tout ce qui est sur console. Sans compter, console, vous avez droit aussi à des points. Donc là, vous pouvez avoir 3 succès dans n'importe quel jeu, vous en avez 40. Là, vous avez la recherche de chez Bing, vous en avez 50. Et au total, vous avez 100 points. Voilà en gros. Mais à quoi ça peut vous servir ça? Eh bien, tout ça va vous servir à échanger des points contre des cartes. Alors, vous avez quoi? Vous avez un mois d'Xbox Live Gold pour 6800 points. Vous avez la gift card pour 200 points, ça des tirs au sort. C'est pour. Vous avez un mois d'Xbox Game Pass Ultimate pour 12 000 points. 3 mois Xbox Game Pass Ultimate. Donc, si vous voulez 3 mois, il vous faut 35 000 points. Moi, Game Pass Ultimate, ouais, c'est toujours pareil. Échange automatique de cadeaux Xbox d'une valeur. Le carte cadeau de 10 euros de Decathlon. Vous pouvez avoir pour 15 000 points un cadeau de 10 euros sur Decathlon. Carte cadeau Spotify de 10 euros pour 15 000 points. Une participation au tirage au sort d'écouteurs de surface, 200 points. Ça, c'est assez facile à faire. Une participation au tirage au sort de cartes cadeaux Microsoft Store, 200 points. Une participation au tirage au sort de Packbox Series X Far Cry 6, 200 points. Jouer au Mixnet Match des animaux, 200 points. Care, 1 euro projet Care. Un jour spécial olympique, un jour le Secret du Bonheur, un jour 1 euro pour handicap international. Voilà. En gros, c'est ça, si vous voulez faire aussi des dons. Voilà. Vous pouvez faire des dons de vos points. Affichez tout, je vous montre. Voilà. Vous avez aussi les dons que vous pouvez faire ici. Voilà en gros un petit peu ce que représentent les possibilités du Microsoft Award. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était peut-être un petit peu courte, mais elle explique le principe du Microsoft Reward.
vous explique un petit peu tout ce qui suit sur le Microsoft. Sachant que Xbox et le PC vous permet de gagner beaucoup beaucoup de points et vous permettra de gagner et de pouvoir vous faire plaisir, de pouvoir vous acheter des Game Pass Ultimate. Et si vous jouez, ben, plus vous jouerez, plus vous allez gagner des points et plus vous aurez des possibilités. Voilà, voilà, voilà. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver tous les soirs à 20h en live sur Twitch, Gamer du 11X. Donc, je laisserai les liens en bas de la vidéo. Vous aurez tous les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram. Enfin, voilà quoi. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.